Le Hezbollah restera en Syrie aussi longtemps qu'il le faudra. Hassan Nasrallah s'est montré très clair ce jeudi. Son organisation continuera de combattre aux côtés des forces de Bachar al-Assad contre les insurgés syriens. Le chef du Hezbollah s'exprimait devant des dizaines de milliers de chiites libanais dans le sud de Beyrouth à l'occasion des commémorations de l'Ashura. Comme je l'ai déjà plusieurs fois répété, notre présence en Syrie, la présence de nos combattants et de nos moudjahidines en Syrie a pour but la défense du Liban, de la cause palestinienne et de la Syrie, bastion et soutien de la résistance. Les combattants du Hezbollah ont joué un rôle important dans la prise de la ville rebelle de Kousaïr en juin dernier, près de la frontière libanaise. Et selon les rebelles, ils luttent également avec l'armée régulière dans le sud de Damas et à Alep. Les apparitions en public d'Hassan Nasrallah sont très rares. L'été dernier, les fiefs du parti chiite au Liban ont été frappés coup sur coup par deux attentats sanglants. Pour assurer la sécurité lors des commémorations de l'Ashura, l'armée libanaise a déployé ses tanks dans la banlieue sud de Beyrouth.